ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler encore produits petit prix parce que j'aime bien faire des revues sur des produits que vous pouvez qui sont de bonne qualité et qui sont à tout petit prix. Et c'est un petit peu mon créneau. Pourquoi dépenser plus quand on peut avoir des choses d'un très bon prix et en plus efficaces? Alors on va commencer aujourd'hui donc j'espère que ces séries de vidéos vous plaisent puisqu'il va y en avoir plusieurs sur la chaîne. Donc aujourd'hui j'ai choisi la marque Bifaz. Donc c'est une marque petit prix que vous pouvez retrouver Gigastore, La Foire Fouille, Babou, Tati, tous les magasins un petit peu drugstore comme ça, vous pouvez retrouver cette marque là. Donc moi j'ai essayé de prendre un petit peu de chaque produit. La seule chose que je n'ai pas trouvé qui soit adaptée à ma peau, c'est une crème pour le visage pour les peaux mixtes à grasse. Puisqu'il n'y avait que pour les peaux sèches. Donc c'est la seule chose que je n'ai pas pris. Sinon tout le reste j'ai pris. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de choses que j'ai testées. Et je vais vous en parler. Donc on va commencer peut-être par tout ce qui est produit pour le corps. Donc on va commencer par le gel douche qui se présente comme ceci. Qui est le gel douche lait de douche Caress Body Shower. Donc celui-ci est au lait d'amande douce. Alors j'ai beaucoup apprécié ces produits parce qu'ils sont en général avec pH neutre et qu'il n'y a pas de parabènes et pas de colorants à l'intérieur. Donc ce sont des produits qui sont petit prix. Donc j'essaierai de vous insérer les prix juste ici. Mais à savoir que chaque produit en général tourne aux alentours de 3 euros, 3,50 euros, des fois beaucoup moins. Donc c'est vrai que c'est en général des très très gros formats. Donc là c'est un 500 ml. Donc ce qui est super bien c'est qu'il n'a pas de parabènes ni de colorants. Alors, vous dire, l'odeur elle est super super gourmande. Elle est vraiment, ça sent vraiment l'amande. Et c'est vraiment un lait de douche, une crème. Quand vous vous douchez c'est super doux, super agréable. Et vous avez la peau parfumée qui reste quand même relativement bien parfumée. Ça mousse bien, ça se rince bien, donc ça je vous le recommande à 100%. Et je sais qu'il y a d'autres parfums, donc je pense que quand j'aurai fini celui-ci, peut-être je m'en laisserai tenter par d'autres parfums. Donc ça je vous le conseille à 100%. Alors pour le corps, on va continuer, donc toujours pour le corps, qui est dans le même parfum et qui est un déodorant en roll-on, puisque je n'utilise plus que déodorant en roll-on. Puisque tous ceux qui sont en spray me font, me piquent en fait. Même ceux qui sont soi-disant sans alcool, ça me pique. Donc celui-ci, il est sans alcool également. Donc il est à l'amande douce également. C'est un 50 ml. Ça sent super bon. Donc ça, ça fait à peu près 8-10 jours que je le teste. Puisque j'ai mon Ushuaïa que je voulais finir. Et ben, je sens pas la transpiration comme des fois... de très grandes marques me font sentir au bout de 1 ou 2 heures. Il a fait quand même chaud ces quelques derniers jours et ben il a fait très très bien son job. Donc c'est une chose que je rachèterai. En plus il est à un tout petit prix. Et il y a également d'autres parfums. Donc on va rester dans le corps. Comme vous le voyez, il est vide. Donc c'est un dissolvant qui est à la base, il est violet à l'intérieur. Qui est idéal pour les faux ongles apparemment et qui est enrichi en agents hydratants et à la glycérine mais il ne contient pas d'acétone. Donc c'est un 250 ml et autant vous dire qu'il est super efficace parce que je fais beaucoup de stamping sur mes ongles comme vous avez pu le constater. Et quand vous faites du stamping en fait ça fait des épaisseurs de vernis. Donc il y a 2 couches de vernis, il y a la couche de stamping et ensuite je mets le top coat. Donc ça fait beaucoup d'épaisseur. Et ça, le coton imbibé, ça l'enlève sans problème. Donc ça, c'est le dissolvant que je rachète maintenant à chaque fois. Donc ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, toujours pour le corps, donc ça c'est The Mouse, comme vous le voyez. Donc c'est un shampoing qui est en flacon pompe. C'est 1 litre de shampoing. Donc celui-ci, c'est un shampoing pour les cheveux colorés, puisque j'ai les cheveux colorés. Et eux, ils marquent que vous pouvez faire jusqu'à 100 shampoings avec. Donc c'est quand même relativement important. Et à l'intérieur, vous avez un filtre UV. Il mousse super bien, il sent super bon. Il se rince super bien. J'ai même l'impression qu'il a un peu l'odeur des kérastases. Parce que moi, j'ai un kérastase quand je fais ma couleur.
Quand je rince ma couleur, j'utilise un shampoing Kérastase, il me semble, oui, pour spécial couleur. Et je trouve qu'il a un peu la même odeur. Donc autant vous dire que j'en ai pour un bout de temps, mais comme moi je fais deux shampoings à chaque fois, je fais deux fois par semaine, donc ça va relativement vite et puis bon, j'ai quand même de la masse à laver. Mais ça, vous pouvez y aller aussi les yeux fermés, 1 litre de shampoing et c'est un tout petit prix également. Et ça, j'en suis ravie, ravie, ravie. Donc je pense qu'au niveau cheveux, etc., on en a fini. On va passer donc à tout ce qui est visage. Ah non, cheveux, j'ai pas fini, j'ai encore cette petite chose-là. Donc j'ai pris celui-ci. Mais je me suis trompée en fait, parce que c'est après, une fois avoir acheté celui-ci, j'ai vu qu'il y en existait pour les cheveux colorés. Donc c'est un soin démêlant express, donc peu importe, hein, ça fait pareil le job. C'est un deux faces pour celui-ci active les boucles. Alors, comme moi, c'est vrai, j'ai les cheveux très bouclés. Je me suis trompée. Mais il y a le même pour cheveux colorés, et je pense que quand celui-ci va être fini, je vais acheter pour celui pour cheveux colorés. Et ça ne se rince pas, donc c'est un 400 ml. Donc en fait c'est un biphase, donc vous mélangez, vous avez un flacon, un spray, donc ça c'est super appréciable. Donc il est enrichi à l'aloe vera, donc ça c'est un super bon point. Ça sent super bon, ça sent un petit peu le citron, je trouve c'est un peu citronné au niveau de l'odeur. Ouais c'est ça, je trouve c'est un petit peu citronné. Et il est vraiment super agréable. Donc pour celles qui ont les cheveux bouclés, il marque qu'il aide à maintenir les boucles. Ça, je ne peux pas le constater puisque moi j'ai les cheveux raides comme des baguettes chinoises. Il faut en fait l'appliquer une fois que vous avez séché, vous essorez vos cheveux et vous les avez un petit peu essuyés avec votre serviette. Moi j'en applique en fait une fois comme ça sur le dessus et une fois sur les pointes. Et je démêle. Et ça démêle tout seul. Et c'est vraiment agréable et ça laisse une très bonne odeur sur les cheveux. Donc ça, quand celui-ci sera fini, je pense que je rachèterai celui qui est pour les cheveux colorés. Parce que je m'en suis trompée. Donc je pense que pour les cheveux, on a fait le tour. Donc on va passer ensuite à tout ce qui est pour le visage. Donc, on va commencer par le lait. Comme vous le voyez, ce sont des gros formats. Hein. C'est vraiment des très gros formats. Et en général, tout tourne autour des alentours de 3 euros. Voire même moins cher. J'ai même vu sur le site Folie Cosmétique aussi, ils les vendent. Et ils les vendent des choses à moins de 3 euros. Donc c'est quand même relativement correct. Je commence par démaquiller mes yeux. Donc pour démaquiller mes yeux, j'ai pris celui-ci. Donc c'est un démaquillant yeux douceur, soft eye makeup remover. C'est à l'extrait de camomille, donc ça sent très très bon. Et ça me fait rappeler de chez Yves Rocher, ils ont un peu le même genre. À la camomille, ça sent super bon, j'aime bien. Et celui-ci, il est pour toutes les peaux, c'est un 200 ml, donc il y en a pour un bout de temps. Donc il enlève très 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 bien le make-up parce que moi, comme vous pouvez le constater dans mes vidéos, et tous les jours je suis maquillée tous les jours sauf le dimanche. Le dimanche, je ne me maquille très rarement à part quand on est invité. Parce que le dimanche, ça permet à ma peau de respirer un petit peu. Et puis c'est un peu un jour de flemme. Et puis c'est un petit peu un jour où je fais mes soins le matin avec ma brosse. Donc d'ailleurs, une revue, une routine va arriver sur comment je nettoie ma peau le dimanche matin. Donc celui-ci, il est très efficace. Moi, avec un seul coton, je fais les deux yeux et la bouche. Et vraiment, ça enlève très très bien. Ça ne laisse pas de film gras sur les yeux. C'est vraiment très très bien. Il est vraiment très très bien. C'est un 200 ml, donc vous en avez pour un bout de temps. Et il sent très très bon. Donc ensuite, je passe au nettoyage du visage complet. Donc avec le lait démaquillant. Avec le lait démaquillant qui est un 500 ml, donc vous en avez pour un bout de temps. Donc lui c'est pareil, il n'y a pas de colorant dedans. Il est enrichi en vitamine E et en provitamine B5. Il est pour tous les types de peau. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc au niveau de l'odeur, il sent super bon. Il sent un petit peu les choses pour nettoyer les fesses des bébés. Vous savez, le lait de bébé, moi j'aime bien cette odeur-là. Et vraiment, il laisse la peau douce et nette après. Vraiment, vraiment, il enlève vraiment bien ce qu'il faut. Donc ça, c'est un 500 ml. Donc vous en avez pour un bon bout de temps également. Donc toujours un petit prix. Donc ça, c'est pareil. Je rachèterai sans problème. Ensuite, je passe donc à la solution micellaire. Puisque en général, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien ensuite passer après le lait démaquillant une solution micellaire. Donc celle-ci, elle n'a pas d'alcool, elle n'a pas de savon, elle est sans parabène.
Et elle est pour les peaux sensibles, sèches, irritées ou tendance rosacée. Donc c'est vraiment très important de... Donc elle me fait penser un petit peu à la Bioderma, je trouve. Donc vous avez un bouchon push-up, donc ça c'est pas mal. Par contre, j'aurais préféré peut-être un flacon pompe, mais bon. Elle n'a aucune odeur, puisqu'elle n'a pas de colorant. Donc elle fait très bien son travail, elle rafraîchit, elle est vraiment très agréable. Elle pique pas. Donc ça c'est pareil, je vous la recommande également, un tout petit prix. Et c'est un 500 ml. Donc vous avez exactement le même format en fait dans les deux. Et vraiment très très bien, très bon produit. Donc après, quand j'ai la flemme ou quand je pars en week-end, puisque de temps en temps nous partons en week-end, je n'emmène pas tout ma routine complète parce que sinon c'est plus des valises qu'il me faut, c'est des soutes. Alors, en général, je prends des lingettes. Et j'aime bien changer de lingette. Et j'ai voulu tester donc celle de la gamme Biphase. Donc il y en a 25 à l'intérieur. Celles-ci, elles sont pour les peaux sensibles, elles sont à l'aloe vera. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le petit truc pour refermer. Ça évite que ça sèche. Ça, c'est vraiment idéal. Et donc elles sont pour le visage et les yeux, pour les peaux sensibles, parce qu'en général, quand on se démaquille à la lingette, on a tendance à beaucoup frotter, parce qu'on a peur que ça n'enlève pas. Donc c'est pour ça que j'ai pris celle qui était pour les peaux sensibles, mais c'est pareil, il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a 3 ou 4 différentes. Alors elle démaquille très très bien, par contre je passe quand même de l'eau micellaire ensuite, parce que j'ai toujours peur qu'il me reste du produit sur le visage et... J'aime bien passer une eau micellaire ensuite. Mais alors, elles font très très bien leur travail. Elles ont une bonne odeur. Et ça, c'est pareil. Je pense que j'essaierai peut-être d'autres de la gamme pour choisir d'autres parfums. Donc ensuite, on va passer à tout ce qui est un petit peu soin de peau. Donc, comme je vous l'ai dit, le dimanche matin, en général, je fais la routine complète avec ma brosse. Et dans la semaine, 2 fois par semaine, je fais le nettoyage très rapide, juste avec la brosse exfoliante, avec du gel nettoyant. Donc ça c'est pour ma routine de la semaine. Donc vous voyez, je l'ai déjà testé jusqu'ici, donc j'ai déjà utilisé pas mal. Donc c'est un gel démaquillant purifiant qui est à l'eau d'amamélis et enrichi en vitamine E qui est pour tous les types de peau. Donc il n'y a pas de savon, pas de parabène et c'est une formule au pH neutre. Donc vraiment cette marque-là, elle est vraiment des produits qui respectent la peau. Et qui ont vraiment de très, qui n'a pas d'alcool, sans savon. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que je le fais dans la douche. Je le fais 2 fois par semaine à peu près. Donc je le fais le mardi soir et le jeudi soir. Parce que le dimanche matin, je fais la routine complète du nettoyage du visage avec ma brosse. Donc en général, je me démaquille avec mon démaquillant à l'huile de chez Kiko sous la douche. Donc j'enlève le plus gros. Et ensuite, je mets, comme mon visage est déjà mouillé, je mets une petite noisette dans ma main et je fais mousser comme ça à la main. Et ensuite, je prends ma brosse et je fais le nettoyage classique avec la brosse. Et ensuite, je rince. Et ben, vous avez la peau après qui est très très bien nettoyée. On le sent, on le voit, la peau, elle est nette, elle est vraiment super bien nettoyée. Et moi, je trouve qu'il est vraiment très très bien. En odeur, je trouve qu'il a une odeur un peu de spa marine, un petit peu, même si eux, ils marquent qu'il n'y a pas d'odeur. Mais il est vraiment super agréable à utiliser. Et c'est un 200 ml. Donc, vous en avez pour un bout de temps également, parce qu'il en faut vraiment peu. Parce que ça mousse quand même relativement bien. Je m'en suis mis partout. Donc il en faut quand même relativement peu. Et ça, c'est ce que je fais le dimanche matin avec ma routine complète avec la brosse nettoyante. Donc il s'agit d'un masque, d'un exfoliant et du masque. Donc l'exfoliant, lui, qui est un... Ils appellent ça les Home Spa Experience, qui est enrichi en protéines de soja. Donc ceux-là, ils sont adaptés pour les peaux mixtes à grasse. Donc vous avez toute la gamme aussi pour les peaux normales, pour les peaux sèches et les peaux sensibles, il me semble. Donc il a un effet matifiant. Donc je vais vous juste vous montrer les grains si j'arrive à vous en sortir. Voilà. Donc il est bleu. Et ça sent vraiment le spa. Vous savez, les produits de spa où on sent le frais, on sent la mer. Enfin, moi, c'est... Et les grains sont ni trop gros ni trop fins et ça exfolie vraiment bien.
et on a la peau vraiment, je trouve vraiment nettoyée en profondeur. Donc moi ce que je fais, donc le... Oups. Donc ce que je fais moi en fait le dimanche matin, donc je nettoie ma peau avec le gel puis la brosse. Ensuite je fais l'exfoliant toujours avec la brosse. Je rince entre-temps bien sûr à chaque fois. Et je finis par un masque qui est le masque purifiant, qui est également pour les peaux mixtes à grasse, qui a un effet matifiant et qui est enrichi en lierre et en bardane. Donc le lierre et la bardane sont connus pour leur effet, comment dire, astringent et matifiant. Donc c'est pareil, celui-ci, c'est écrit Home Spa Experience. Donc c'est un 150 ml. C'est pareil, il n'y a pas à l'intérieur de parabène. Voilà, il n'y a pas de parabène, c'est bien écrit, il n'y a pas de parabène dedans. Donc ça c'est pareil, il est super agréable. Une fois que j'ai fait toute ma routine avec ma brosse, je fais le masque, je le pose en fait au pinceau et je laisse quoi? Il marque de le laisser poser quelques minutes. Moi je laisse à peu près 10 minutes. Et une fois que vous avez rincé, vous avez une peau douce, douce, douce. Donc, et ensuite après, j'applique mon sérum avec la brosse, etc. Mais tout ça, je vous montrerai tout ça en vidéo, ma routine complète en fait avec ma brosse. Et ça, c'est pareil, j'en suis enchantée. L'odeur est un petit peu pareille que l'autre, que celui-ci. Donc, ça fait un petit peu le combo du spa et vraiment ravi, ravi. Donc en résumé, cette marque Bivaz, eh ben, c'est une très très belle découverte pour moi avec des tout petits prix. Parce que là j'ai 1, 2, 11. Là il y a 12 produits et je pense que les 12 produits ne dépassent pas les 40 euros. J'essaierai de vous mettre le total ici de tous les produits de la gamme. Donc pour 40 euros, vous avez une gamme complète de soins et de gel douche, de produits pour les cheveux. Donc vraiment très agréablement surpris. Le seul point négatif, c'est comme je vous l'ai dit, je n'ai pas trouvé de crème hydratante. Donc je cherche encore si j'arrive à en trouver une pour voir ce qu'elle donne. Ou alors ben, je me rabattrai sur celles qui sont pour crème de nuit spéciale anti-rides. Puisque bon, ben voilà, hein, moi j'approche la quarantaine et il faut peut-être falloir commencer à penser à toutes ces petites choses-là. Donc, si vous avez testé cette marque, dites-moi-le en commentaire. Et puis, j'espère que vous avez apprécié cette découverte et cette vidéo avec moi. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Bye!